bien, moi très très bien et je suis tellement hâte de faire cette vidéo parce que regardez qu'est-ce que j'ai sur mon main. C'est un palette de Pat McGranit. Si vous ne connaissez pas Pat McGranit, je vais laisser le lien dans la description comme ça vous pouvez découvrir. Moi j'ai reçu cette palette comme un cadeau pour Noël et je suis juste tellement contente parce que j'ai vu la palette, j'ai ouvert le packaging et tout ça, mais j'ai pas vraiment fait le swatch parce que j'ai envie de faire le swatch avec vous, bien sûr. Bien sûr. Et du coup, venez, on va ouvrir ça ensemble. Ah, je suis tellement contente, vous savez même pas. Avant de commencer avec cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne et aussi cliquez sur la cloche parce que ça c'est tellement, tellement, tellement important. Ok, let's get started. Ok, du coup, ça c'est le packaging de la palette, mais franchement, regardez-moi ça. Pat McGranit, il fait le meilleur packaging dans le monde, ça c'est garanti. Ça c'est garanti, regardez-moi ce détail, franchement. C'est juste un truc de ouf! Waouh, franchement. Et après, si vous avez envie d'ouvrir, il faut que vous ouvrez la palette comme ça. Regardez-moi ça, oh my god. Quelle classe! Et voilà, dans les centres, c'est la palette, c'est le moment, c'est le moment! Oh my god, j'ai oublié comment la palette c'est lourd. Regardez la palette, mais franchement, c'est super belle. J'ai jamais vu une palette assez belle que ça, vraiment. C'est noir, c'est net. Et dans les centres, il y avait le logo de Pat McGranit. Et derrière de la palette, c'est juste n'importe quoi. C'est juste magnifique, c'est un doré. C'est juste formidable, franchement. J'aime vraiment cette palette. C'est super joli, j'ai trop. Le packaging surtout. Super joli. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Parce que c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est le moment, les gars. C'est oh, 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 oh. Regardez-moi ça. C'est super joli. Les couleurs, oh my god, c'est vraiment n'importe quoi. J'ai même pas un mot dans mon système pour exprimer mon sentiment à propos de cette palette. Vraiment. Et aussi, guys, regardez-moi cette miroir ici. C'est super joli. C'est trop joli. Ok, il faut qu'on passe à l'étape suivante parce qu'il faut que je fasse la swatch. Mais j'ai vraiment, vraiment mal à le cœur pour toucher les couleurs parce que c'est juste trop belle comme ça, quoi. Mais il faut que je fasse la swatch. C'est nécessaire. Ok, la première couleur. Oh my god, la touche. La texture. Oh, hyper crémeux. Oh my god. Trop joli. Ok, je vais juste prendre comme ça. Oh. God. Oh, regardez celle-là. Regardez-moi celle-là. Putain. Guys, je suis totalement amoureuse avec toutes les couleurs. Franchement, regardez cette quelle couleur. C'est mon couleur préférée, je crois. C'est juste trop belle. Et aussi, il y avait trois matte couleurs dans la palette. Et cette matte couleur, ça soit super bien aussi. Il y avait un matte violet, marron foncé, un marron un petit peu plus clair que celle-là. Du coup, voilà. Maintenant, on va tester les couleurs maintenant sur les yeux. La première couleur que je vais prendre, c'est cette couleur-là pour juste réchauffer mon creux de paupière. Oh, putain, la vache. Regardez, j'ai pris juste un petit peu la couleur et regardez la pigmentation qu'il donne. C'est juste magnifique, quoi. Et avec plus petit pinceau, je vais prendre le même marron et je vais appliquer ça juste en dessous de mes yeux. Et un bon truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment des chutes qui tombent, ça c'est juste incroyable. Et ensuite, dans un pinceau plat, je vais prendre cette Beats Flame couleur. Et celle-là, je vais appliquer dans mon papier mobile. Oh my god, regardez-moi ça, c'est juste un touche. Et c'est appliqué comme un rêve. C'est n'importe quoi. Et encore, je vais juste dégrader le rouge avec le marron, comme ça, ça soit en couleur. Et aussi, j'ai envie de savoir comment ça dégrade. Est-ce que ça dégrade bien ou ça dégrade pas? You guys, c'est vraiment facile à dégrader de couleur. Super facile. Bon, je vais reprendre cette marron ici avec un pinceau plat. Et je vais juste foncer l'extérieur de mes yeux. Et je pense que c'est beaucoup mieux comme ça en fait. Et je vais reprendre ce petit pinceau ici et je vais commencer à dégrader le rouge et le marron encore. Putain, mais franchement,
je trouve que je dis la même chose chaque fois, mais ça vraiment se dégrade comme un rêve. Hein. C'est hyper, hyper facilement à dégrader les couleurs. Vraiment. Et ensuite, je vais prendre cette couleur-là. Je pense que cette couleur, c'est trop belle. Et cette couleur-là, je vais passer sur la rouge. Waouh! Trop belle. Et ensuite, je pense que je vais prendre cette couleur-là. Comment ça s'appelle? Skins How Divine Glow. C'est une longue nom, celle-là. Et ça, je vais appliquer dans les coins de mes yeux, à l'intérieur. Et maintenant, un petit peu de crayon noir dans le muqueuse. Et maintenant, je suis juste en train d'appliquer un mascara. Juste légèrement, j'applique parce que je vais utiliser un petit peu de fossile. En bas aussi. Pour les fossiles, aujourd'hui, je vais utiliser mon House of Lashes Fossile. Ok guys, les yeux c'est fini et maintenant pour les rouges à lèvres, je pense que je vais aussi utiliser le Pat McGrath rouge à lèvres que j'ai. C'est un petit peu, c'est une couleur hyper foncée, tu vois, mais c'est pas grave, mais si tu as envie d'utiliser quelque chose moins foncé, tu peux aussi faire ça. Premièrement, pour faire le contour de ma lèvre, je vais utiliser mon Dark Out crayon à lèvres de MAC Cosmetics. Le contouring de la lèvre c'est fini et le rouge à lèvres de Pat McGrath. Regardez le packaging aussi, c'est pas mal, non? C'est juste différent quoi. J'aime trop! Ok guys, j'ai fini avec le look et ça c'est le look final. Franchement, je suis amoureuse, je kiffe le look. Et mon final impression pour cette palette c'est juste génial, j'aime trop les palettes, j'aime trop les couleurs, la pigmentation c'est incroyable, ça dégrade super super facilement. Et le palette, le packaging you guys, le packaging c'est juste n'importe quoi, c'est formidable, j'aime trop toutes les choses à propos de la Pat McGrath, même le rouge à lèvres c'est juste incroyable. Et bien sûr, la palette c'est un petit peu cher, le prix c'est 125 €, non dollars je crois, et voilà. Et on est à la fin de cette vidéo, you guys. J'espère que vous allez bien aimer. N'oubliez pas de donner cette vidéo un grand pouce bleu et partager cette vidéo avec tout le monde, avec votre mère, avec votre sœur, avec votre grand-mère, grand-père, tout le monde. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, guys!